Salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de cet événement. Cette fois-ci, c'est une vidéo explicative et vidéo où je critique l'événement dans le bon sens du terme et dans le mauvais sens. N'oublie pas que cela reste que mon avis et qu'on peut bien sûr avoir un avis différent concernant le jeu, concernant les futures mises à jour, maintenant c'est tout. De toute façon, je vais vous dire au fur et à mesure de la vidéo ce que j'en pense. Je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça me fera énormément plaisir. Sur ce, on démarre. Comme vous le savez, c'est un nouvel événement qui a démarré hier à 5h du matin, qui nous permet d'avoir une multi gratuite si on forme correctement. Si on tryhard, et on va dire que c'est plus ou moins un événement free to play. Pourquoi je dis plus ou moins dans le sens où même si vous vous connectez souvent, vous n'allez pas avoir, enfin si vous utilisez régulièrement votre stamina ou entièrement votre stamina, vous n'allez pas avoir la possibilité de d'aller jusqu'à là. Dixième single, enfin d'acheter la dixième single. Je vous explique tout simplement que cet événement, c'est pas vous utilisez de la stamina et derrière vous gagnez les récompenses. En fait, ça part dans le style où tous les 5 points de stamina utilisés, on gagne un ticket, enfin une monnaie d'événement. Du coup, un point ici. Donc je vous laisse faire le calcul pour arriver jusqu'à 40 en sachant que 40 coûte un ticket. Enfin un ticket coûte 40, 40 monnaies. Du coup, je vous laisse faire le calcul. Ça prend énormément de temps. On ne refile pas de la stamina. En sachant que j'ai déjà refilé 2 fois. Et que j'ai pu acheter. En soi, j'aurais pu acheter 4 tickets. 4 tickets en dehors du refill. Du coup, on refile 2-3 fois, 4 fois, en sachant que parfois on rate également le petit bonus ici. Ce qui fait qu'on gaspille 20, 40. Bon, c'est rare qu'on rate 60. Mais enfin, qu'on rate 3 fois les connexions. Mais voilà, a priori, en moyenne, c'est une fois, voire au grand maximum 2 fois. Bon, en soi, aujourd'hui, j'ai déjà fumé toute ma stamina et j'ai refilé 2 fois parce que, les gars, je me répète, quand vous me voyez full, c'est juste pour la vidéo. Sinon, j'ai déjà utilisé auparavant, là, c'est juste, je me suis fait plaisir pour la vidéo pour vous montrer un peu le système de gain de points sur l'événement. Du coup, comme je vous l'ai dit, pour arriver à 10 singles, ça va être très très tendu. En étant free to play, c'est vraiment très tendu parce que c'est quasiment, on va pas dire impossible, mais c'est vraiment très très chaud. Dites-vous qu'il a commencé hier et j'ai eu 500 stamina supplémentaires au total. Hein. Du coup, j'ai refilé 3 fois en sachant que j'ai le petit abonnement mensuel où on me donne 2 fois 50 stamina par jour, enfin 4 fois 50 stamina par jour, ça revient à 200, plus mon petit refil où je me fais un petit peu plaisir une fois, 2 fois par jour. Je vous laisse faire le calcul, c'est énorme. Par exemple, là, on va aller dans un petit combat, n'importe lequel, juste pour vous montrer combien on gagne. Je suis à 36. Hein. On va aller ici. Et on va faire ça. Du coup, tous les 5 points de stamina utilisés, on gagne une monnaie. Du coup, un point d'événement. En sachant que un coup dans un mode de jeu, c'est équivalent à 25, on en gagne 5. 5 fois. Du coup 5 x 5, 5 x 6, on en gagne 30.
Est-ce que ça vaut réellement le coup de refiler à chaque fois? On peut aller jusqu'à... Voilà. Là, j'en ai gagné 5, du coup, je peux m'acheter un ticket. Mais on peut pas réellement, si un free-to-play, s'il veut réellement aller jusqu'au bout, ça va être un peu tendu. Je dis pas que c'est pas faisable, c'est faisable. Mais il a besoin au moins de refil une à deux fois par jour. On va dire une fois, allez. Une fois par jour, relais. Je crois que c'est 6 jours qui... Et bon, voilà. Moi, en 2 jours, j'ai pu avoir 4 tickets. Grâce au truc, grâce à l'abonnement. Du coup, c'était juste pour vous montrer ça. Maintenant, on va aller acheter le ticket. Ça coûte un peu cher, mais en vrai, on va dire c'est... En vrai, ils nous font faire ça juste pour qu'on reste un peu plus longtemps sur le jeu. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'on a besoin réellement d'un système de stamina pour les free-to-play. Plus généreux dans le sens où la régénération serait plus rapide. En soi, ça reste un bon event. C'est du free. C'est des free invocations, mais pour arriver aux 10 singles, ça va être un peu tendu. Mais sinon, en dehors de ça, les récompenses qu'ils nous donnent, que ce soit les ressources, la monnaie, les ressources pour améliorer les talents et tout, les pare-chocs de modification, les trucs, la bouffe et tout, c'est très, 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 très cool de leur part. Même si ça coûte un peu cher, ils auraient dû réduire ça à 10. Ça, pourquoi pas aller savant parce que c'est super important. Mais voilà, ça à 15, ça à 5 parce que voilà, le niveau de rareté n'est pas énorme. Et ça, pourquoi pas, on laisse à 10. Mais sinon, les prix sont un petit peu trop hauts pour les free-to-play. Sinon, en dehors de ça, ça c'est plus ou moins un bon event. Pour moi, je dirais que c'est, allez, je dirais un 4 sur 5. 3,5, 4 sur 5. C'est correct, ça fait quasiment un 7 sur 10, voire 8 sur 10. C'est cool. Maintenant, on va parler du deuxième événement qui va bientôt arriver. Que j'ai vu tout à l'heure. Et du coup, voilà, je vais vous parler de ce fameux événement où il faut faire un petit chemin qui doit arriver de Deku, j'allais dire Goku, de Deku jusqu'à la sortie. Et on a un petit, si je me rappelle bien, sur la chinoise, on a un petit timer. Un petit timer où... Ah non, c'est pas un petit timer, excusez-moi. C'est plutôt des actions limitées par niveau. Où on doit arriver le plus rapidement possible. Je crois qu'on a un ou deux essais par jour ou trois, un truc comme ça. Enfin, pas 3 essais, mais on peut compléter plusieurs... C'est comme pour les anciens événements en fait, hein. On est limité au nombre de fois qu'on peut faire, comme pour le fameux touch là, où on doit compléter un code, le truc de réflexion rapide où faut faire ça en moins d'une seconde et tout. Là, c'est à peu près la même chose, mais avec le moins de mouvements possible et d'arriver jusqu'à la safe zone. Et ça va nous permettre de gagner des ressources. Bon, enfin, c'est pas beaucoup, mais on va dire c'est mieux que rien. Mais ok, alors lui, qu'est-ce qu'il dit? Je vois beaucoup de plaintes de gens, et si vous voulez pas donner de pièces ou réduire la pitié, assurez-vous que la chance... Pas. C'est vrai, il n'y a pas totalement tort. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. Voilà, c'était juste pour vous tenir au courant des futurs événements. Normalement, il doit déjà être là. Je vois pas encore. Je le vois pas encore. Normalement, il aurait dû déjà être dispo. On va chercher ça. C'est bien sûr un événement, les gars. Ah, ok, c'était ça. Du coup, faut. Quoi? Ah, ouais, ils l'ont changé sur la version chinoise. C'était pas totalement ça. Ça.
Après, on va faire ça, ça, ça. Ben, je crois que je me suis fait. Voilà, c'est bon, nice. On continue, on fait le prochain niveau. On va faire ça. En vrai, je pense qu'on peut faire ça. Ça, 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 et ben voilà. Ouais, c'est dommage qu'on puisse pas faire ça avec un petit peu plus de difficulté et de meilleures récompenses. Des Eurocoins, par exemple. Du coup, là, je pense que je me suis fail. Faut faire ça, ça, ça. Ok, re-challenge. Je me suis fail sur un truc. Bon, faut faire ça, 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 ça. Voilà. Ah, ok, c'était erreur de ma part. Et du coup, là, on va faire. Faire ça. Un peu tendu. Re-challenge. Tu sais que c'est un truc dans le genre. Attends, je suis débile ou quoi? Ah, je suis débile. Enfin, bref. C'était juste pour vous montrer ce petit délire, mais bon, on gagne. Je trouve qu'on gagne pas assez de récompenses sur cet event. Sinon, dans sa globalité concernant l'autre, où on gagnait des points d'événement, ça reste plus ou moins correct. J'étais à 2 dollars de réussir. Ouais. Est-ce que je suis débile? Oui, aussi. Pourquoi je suis débile comme ça? Voilà. J'avais juste besoin de faire ça en fait. Et là, on va terminer la vidéo sur ça. Je sais que c'était un peu long, mais je voulais le faire avec vous. Ce niveau, il était simple par contre. Le niveau du coup aussi, il est simple. Oula, pourquoi je galère comme ça?
Enfin bref, je pense que je vais faire ça en solo parce que sinon la vidéo va durer 20-25 minutes. On n'est pas là pour ça. Ce, n'oublie pas de lâcher le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, ça me fera énormément plaisir. Ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Peace, prenez bien soin de tout le monde. Ciao.